La plage de Saint-Laurent, c'est une plage renommée, appelée par son sable, pour son sable, le sable d'or, et qui était très agréable et très bien fréquentée, qui avait un charme exquis. Il y avait des cabines le long de la plage, sur une cinquantaine de mètres à peu près, et des galets. C'était un handicap même pour descendre des cabines. Et il y avait également des poteaux qui limitaient la plage perpendiculaire aux galets et qui se trouvaient à l'ouest, qui se terminaient par un poteau principal qui servait de plongeoir et de but. On disait, je vais au poteau. Et on montait sur le poteau par des petits morceaux de bois qui étaient collés au poteau et voilà, qui servaient d'échelle. Et on jouait beaucoup sur la plage. On jouait au ballon, on jouait au croquet. J'ai vu jouer au croquet. Pas de bateau à l'époque. Il y avait les bateaux de pêche qu'on apercevait dans le lointain avec leur voile bleue ou rouge. C'était très joli. Mais c'était une plage charmante. Ma mère, elle aimait pêcher. Il était à plusieurs femmes et pour descendre à la mer et il allait mettre des filets. Alors qu'aussitôt qu'un disait, ça y est, le hareng est descendu, tout le monde, même les fermiers, tout le monde allait mettre des filets parce que ça durait que 5-6 jours. Et puis après, le hareng était passé, il n'y en avait plus. Alors là, tout le monde en rapportait, mais c'était immense, des seaux, des poches, et tout le monde revenait avec leur hareng, c'était vraiment quelque chose. Pour nous, c'était une promenade. Mon père aimait beaucoup descendre à la plage. Et puis on remontait chez nous, voilà. Mais on allait souvent, souvent on allait faire un tour à la mer. Et vous y êtes allé souvent pendant l'occupation à la plage? Pas pendant l'occupation, c'était avant l'occupation. Oh ben non, on n'y allait pas. Quand les Allemands étaient là, on n'y allait pas. C'était interdit, la plage? Je sais pas si j'aurais voulu. Hein. Dans les débuts, peut-être que les gens pouvaient encore y aller, mais après, c'était interdit. Hein. Ah oui. On n'avait pas le droit. Oui, j'allais à la pêche avec mon père, mettre des filets sur la plage. On descendait le banc de galets, il y avait énormément de galets. Et on cherchait des galets assez allongés pour que ça tienne, pour ancrer le filet. Tout ça, ça a bien été au début de l'occupation. Et puis après, c'était interdit d'aller à la mer. Et tout à fait au début, mon père y a retourné. Et puis, il avait trouvé une combine de passer entre une levée de patrouille. Et puis un jour, ben, je sais pas, il s'est attardé un peu, la mer descendait fort assez vite pour dégager le filet, et s'est trouvé en plein, dans le milieu de la patrouille, avec un voisin qui l'allait. Alors là, ils ont eu un peu peur, parce qu'ils ont entendu les culasses des fusils, et puis ma foi, ils ont dit pêcheurs, ils les ont amenés à la commandature, ils les ont gardés toute la nuit, le restant de la nuit, ils les ont relâchés au jour. Ils ont vu que c'était des... Depuis ça, il n'y a pas retourné. À Trévière, notre maison, pendant toute la guerre, a été réquisitionnée, la moitié de la maison. Et il y avait toujours un colonel allemand avec un ordonnance et un chauffeur, une Mercedes et une Volkswagen. Et ils avaient un poste de radio. Nous n'avions plus de radio puisque les Allemands avaient ramassé tous les postes. Et les Allemands écoutaient la BBC. Ils écoutaient Die Stimme Amerikas, c'est-à-dire en français, la voix de l'Amérique. Et ce qui nous a permis, pendant qu'ils déjeunaient, d'écouter les nouvelles de la BBC. Les soldats allemands sont arrivés dans la ferme avec des chevaux et ils avaient aussi avec eux, c'était des charrettes, parce qu'il n'y avait pas de camion à l'époque. Alors, ils ont mis les chevaux pour les soigner. Et ils avaient également leur nourriture avec eux. Et ils ont réquisitionné des appartements chez nous, comme c'était assez grand, dans la salle et en haut également. Donc, on s'est trouvé
à vivre avec les Allemands pendant très longtemps. Ils passaient toute la journée dans la maison. Il y en avait 5 qui étaient en haut et 10 dans la salle à côté où moi, le soir, je passais ma soirée avec les Allemands, on discutait ensemble, j'étais assis sur le lit de camp et on fumait la cigarette. Et j'allais le chercher du lait aussi quand il voulait du lait, mais il me le payait. Il nous disait bonjour, si on mangeait, il disait bon appétit. Tout s'est toujours très bien passé. Ils faisaient leur cuisine eux-mêmes ou c'est vous qui faisiez la cuisine pour eux? Non, parce qu'il avait une cuisine pour eux, qui était dans le village. D'accord. Voilà, alors il allait à leur cuisine pour manger. Il est certain qu'on les a eus chez nous, mais vous savez, on n'a jamais eu de mal, jamais. Tout s'est toujours très bien passé. Oui, mais c'est les Allemands qui sont venus se planter d'abord. Ben, ils ont mis avec eux les chauds, tout ça, tout le matériel, ils ont pris tous les étapes, tout ça, c'est eux qui sont toujours emparés. Dans le prieuré, il y avait beaucoup de chauds. Oh, oui, il y avait une trentaine, moi. Il y avait des chevaux, il y avait même des chevaux français. Ils s'en occupaient bien, des chevaux? Ah oui, oh là, comme ça. Ah, mais les chevaux, il aimait mieux perdre un cheval que perdre un homme que perdre un cheval. Ah oui. Ah oui, pour eux, ça c'est précieux, hein, pour tirer les canons. Ils n'avaient pas de voiture? Ah si, ils avaient des voitures, des camions, ils avaient des essais, tout ça, ils avaient tout ce qu'il fallait, mais ils ont été privés parce que. C'est le carburant qui a manqué. Il n'y avait plus d'essence. Hein. Alors, c'est pour ça qu'ils conservaient beaucoup les chevaux. Hein. Les canaux, c'est bien joli. Il avait les tangles à la tigre, là, puis les panthères. Ça bouffait gros. C'est machin de 80 chevaux. Là. Ça tirait l'essence. Hein. C'est pour ça qu'ils utilisaient beaucoup les chevaux. Ah oui, oui. C'est une histoire assez cocasse parce que ce gars-là, il a été là. Il est arrivé en 40, et il a été fait prisonnier le 6 juin 44. Il est resté là tout pendant la guerre. Il faisait radio, c'est pour ça qu'il l'appelait l'espion. Et il connaissait tous les gens de Vierville par leur nom et leur prénom, ce foiré-là. Et il mangeait que des œufs. Il venait à la ferme acheter des œufs. Alors il venait à la ferme acheter des œufs. Une fois, ma mère nous avait payé à moi et à mon frère des petites biquettes. Oui, on voulait des biquettes, les gamins, on avait une petite chèvre. Il rentrait par la barrière, il posait son vélo avec son panier d'œufs, puis il venait en chercher d'autres. Et puis, comme il y avait d'autres Allemands à la ferme, il discutait avec eux, il restait là un moment. Hein. Il était toujours... Et c'était un gars qui était toujours en train de parler, essayer de voir ce qui se passait. Bon, un beau jour, la biquette qui grimpe sur le vélo, il fout le panier d'œufs par terre. Alors là où tu prends son revolver, il voulait abattre la chef, hein, son frère. C'est les autres Allemands qui étaient là qui ont intervenu, quoi. Ça s'est bien passé comme ça. Hein. Il avait un revolver, c'est drôle, ça venait un peu au mollet. Un grand revolver comme ça. Il n'y avait que lui qui avait ça. C'est un genre de pistolet comme avait Steve McQueen, là, vous savez. C'était drôle, hein. Il avait ça. Il savait même pas s'en servir, cet enfoiré-là, parce qu'une fois, il a fait une démonstration dans la cuisine à la ferme. Le coup est parti, il a envoyé une balle dans le mur. Hein. Ah ben, il s'était fait engueuler par les autres. Hein. Les autres Allemands qui étaient là, bon, ce qu'il avait pris comme savon. Mais... Et pour vous finir, ce gars-là, il a été là tout pendant la guerre. On ne sait pas trop ce qu'il faisait. Quand ils ont, le 6 juin, que les Américains ont raflé tous les jeunes... à la carrière, à côté du casino à Vierville. Il était tout ça mélangé, les prisonniers allemands, français, et le fameux Robert était dedans. Et il y a des Américains, mon oncle Louis m'a raconté, il y a des Américains, ils l'ont pris à part après, puis ils l'ont emmené à part. Il est parti à part, ce mec-là. Oui. Alors, est-ce que il était vraiment... espion, est-ce qu'il était pour les anglo-américains, est-ce qu'il... On ne sait pas trop ce qui est... À partir de là, on l'a plus revu, quoi, ce gars-là. Et dans le prieuré, il y avait le pigeonnier qui est encore debout. Vous avez reçu une mission qui était de tuer les pigeons. Mais oui, il avait mis la machin à la mairie, tout ça. Il avait tué les pigeons, puis il venait voir si ça était fait, hein. Il y avait des Allemands. Et pourquoi il fallait détruire les pigeons? Non, parce que c'était dangereux pour eux.
Ah bon? Que ça, c'est des espions, c'est des espions, ça, les pigeons voyageurs. Ah oui. Parce que ça rapporte des pieds, ça va. Pouvez-vous me raconter lorsque vous êtes allé avec votre père sur Omaha Beach pour poser les obstacles? Oui, alors eh bien, j'avais demandé à mon père à aller avec lui et il m'avait dit oui. Et il avait la charrette avec un cheval et on allait poser des X dans la mer. Et puis les Allemands étaient là pour ils mettaient les X sur le sable de place en place, pas en ligne droite. Hein. Et évidemment, ces X-là, j'ai vu ça. Et vous étiez avec le cheval et la carriole, c'est ça? Ils vous avaient réquisitionné pour ça? Mon père était avec son matériel, c'était une charrette avec des chevaux. Parce qu'on mettait deux X dans la charrette, parce que c'était assez lourd. Hein, comme, Il y avait beaucoup de Français qui faisaient ça? Ah bien, et tous les Français étaient réquisitionnés à tour de rôle pour avoir des chevaux, du matériel, dans les fermes, parce que on charriait de l'eau aussi pour le sémaphore également. Il était toujours occupé, il y avait toujours quelque chose à faire, mais c'était quelques jours de temps en temps. Ah, c'était toujours des courtes périodes. Quand il était commandé, c'était pour une journée ou deux, des fois une fois par semaine. Et ça se passait, c'est les Allemands qui venaient directement à la ferme ou c'était l'employé de la mairie ou comment ça se passait? C'était à la mairie, mais il y a une personne qui venait lui demander, quand c'était son tour, de faire les travaux. Voilà, et il ne pouvait pas refuser. Il réquisitionnait un banneau et un cheval par ferme une fois la semaine. Alors, c'était à tour de rôle, quoi. Donc, quand ça tombait chez nous, c'est moi qui y allais à la place de mon grand-père. Alors, j'étais fier d'aller... J'étais deux fois, juste avant le débarquement. Et à chaque fois, il y a eu un soldat allemand qui a pris ma place quand il m'a vu arriver un gamin avec un ballon. Il a pris, il y a un soldat qui a pris ma place et qui faisait le travail à ma place et me mettait dans un coin et puis il me rendait le cheval et le ballon pour quand c'était fini, quoi. Il charriait de la terre, du ciment, il faisait je suis allé une fois aussi derrière chez le Gallois là, qui construisait les blocos là. Alors là, on charriait du ciment, il faisait du ciment, on mettait ça dans le bateau, il allait vider le bateau plus loin. Voilà. Tout était miné partout. Et avec des barbelés et des panneaux où c'était mis en danger. Et mon père avait vu, comme les animaux manquaient de nourriture, mon père avait vu que les champs autour de la ferme n'était pas miné, il était barré mais pas miné. Et il avait demandé à la commandature s'il pouvait mettre ses bêtes, parce que les bêtes n'avaient plus de nourriture. Alors on lui a dit oui, mais vous mettez les bêtes la nuit, mais pas le jour. De façon que s'il passe des avions anglais, qu'on ne voit pas de jour, s'il y a des animaux dans le champ. Ah, c'était une autorisation spéciale. Bah, c'était à Angleskeville, dans le bas d'Angleskeville, parce que l'autre côté de la route de Vierville-Saint-Laurent, de Grand Camp ou Colville, tout était miné jusqu'à la mer. Oui, j'étais en train de se dire des plaques pour les lapins, et puis sans lit, tout ça, bon ben. Mais qui savait d'un seul coup, qui savait d'un galop, il arrête. Bon, encore, moi, je me lève. Il sent le cheval, puis bien boire. Ouais. En allemand, que je connais, j'étais neutre. Hein. Alors, on m'avait pu expliquer, enfin, je me mettais chez vous, comme ça, puis bien. Hein. Manger des arbres, il a pris une poteau, puis il est resté 10 minutes, puis il est reparti. Il m'a fait boire, Il vous a fait manger de l'herbe?
Non, je n'ai pas mangé, je fais mieux. Comme si? Oui. Et vous ne savez pas pourquoi? Oh ben, c'était pour boire que, faire boire qu'un jour on pourra manger de l'herbe parce qu'il n'y aura plus assez de nourriture. Pour même. Ah oui, c'était la propagande. Oui, ça c'est sûr. Les Allemands l'ont dû abattre leur avion dans la nuit d'un samedi à un dimanche. Ils ont dû, les avions n'avaient pas lieu d'être là. C'était, vous savez, dans l'armée, ils n'ont pas lieu d'être là et ils ont dû passer, je ne sais pas comment ça se fait. Donc ils ont été abattus par leur propre desserrat. Ils ont été abattus sur la place. Et nous, on était à Vep. À Vep, alors ça a fait une traînée de poudre dans les Vep, parce qu'à ce moment-là, tout le monde allait à Vep. Hein. Il y avait du monde hein, dans les églises. Hein. Tout le monde se raccrochait un peu à ça aussi, peut-être. Hein. Alors, ça avait fait une traînée de poudre. Alors, tout Vierville est descendu à la mer pour voir ce fameux avion qui était à peu près en face chez Ardelais, là. Il était là. Et les Allemands étaient déjà, ils avaient peint avec du coltar et du goudron, ils avaient peint les croix gammées et la croix de Malte, c'était peint. Ils avaient barbouillé ça pour pas qu'on voit que c'était un de leurs avions. Et ils disaient que c'était des avions américains, anglais, qui avaient été abattus. Voilà. Il y en avait trois. Il y en a un qui a dû être abattu vers Sainte-Honorine et l'autre vers Grand Camp, au-delà de la pointe du Hoc, par là-bas. Un jour, je suis descendu à la plage parce que j'avais appris que les Allemands avaient fait sauter tout le Saint-Laurent du bord de mer. La maison était à 100 mètres derrière moi actuellement et il y avait un amas de pierres, d'arbres, c'était désolant. Et j'avais vu un immense fausse antichar pour défendre complètement l'accès de Saint-Laurent à tout débarquement. Ben, c'était le 5 mai, il y avait encore tous les Allemands, bien sûr, et on avait la commandature près de chez nous, hein. Et mon père revenait en vélo le matin, il venait chez quelqu'un en vélo, et ils l'ont coincé contre le mur sur le bord de la route, ils ont fait laisser son vélo, il a monté dans la voiture, ils l'ont amené chez nous, quoi. Bon, ils ont fait rentrer mon père pour qu'il se fasse un peu de toilette, il s'est changé un peu, maman était avec, et puis hop, ils l'ont embarqué dans la voiture, ils l'ont emmené directement à la prison de Caen. Il relevait les plans de mine, il est porté à un monsieur à Port-en-Bessin qui transmettait en Angleterre. Quand il sortait le soir, il était des fois, il rentrait très tard, maman dit, qu'est-ce que tu fais à cette heure-là? Oh ben, j'étais parti boire un coup avec un tel, voilà. Jamais il n'en avait parlé à ma mère, elle n'en savait rien du tout. Mais alors, dans l'entre-deux, on avait un monsieur de Saint-Laurent, et il était très gentil parce qu'il allait porter du linge à mon père, du linge propre, qu'il allait lui porter là-bas à la prison. Il avait le droit d'aller lui porter du linge. Et maman faisait des galettes. Elle mettait les galettes dans le linge. Et quand le monsieur y revenait, il avait un papier. Comment on lui avait donné, il n'a jamais dit à personne. C'était mon père qui l'avait écrit en mettant... brûle ce papier, n'en parle à personne. Et il mettait dessus, j'ai eu mes galettes, je les ai mangées. Ouais. Et vous ne l'avez jamais revu? Jamais. Non, parce qu'il était arrêté le 5, il était fusillé le 6, un mois après, à la prison de Caen. Mmh. Ouais. On espérait, on croyait toujours qu'il allait revenir, mais il n'est jamais revenu. Et on ne sait même pas où ils sont, c'est encore ça. L'ordonnance vient, puis il dit à ma mère, faut préparer le linge. Ça devait être le samedi avant. Faut préparer avant le linge parce que on a peur Tommy venir. Alors ma mère disait mais non. Mais il a dit, faut que le linge soit prêt demain matin. Avant d'aller me coucher, je jouais sur la pelouse avec ma sœur. Et il y avait un temps très clément et un beau soleil. Et l'officier allemand qui avait réquisitionné une chambre
dans la maison de mes parents, avait la fenêtre grande ouverte et il était en train de me regarder jouer. Et tout à coup, il m'a appelé « Jean-Claude, Jean-Claude, viens, viens ». Alors, je suis venu vers lui et je le regarde, moi, en bas et lui, au premier étage, en haut, et il me lance un petit sac de bonbons. Petit sac, il y en avait peut-être 4-5 bonbons, mais pas beaucoup plus, hein. Et ma mère voit ça, elle me dit « Tiens, viens par là, qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Des bonbons ?» Confisqué. Oh, grande déception pour moi. Eh bien oui, mais mon petit garçon, on ne sait jamais, ils peuvent être empoisonnés. Et tout à coup, après, dans la foulée des bonbons, l'officier allemand regarde en l'air et il y avait un ronronnement de moteur, mais assourdissant, et des dizaines d'avions et des bombardiers. Et l'Allemand de dire, en mauvais français, « Oh, grand malheur pour l'Allemagne, ce sont des bombes pour l'Allemagne. » Alors, ce matin-là, comme ça faisait, ça bombardait énormément, on était dans la tranchée. Et comme on parlait dans la tranchée, il est passé trois Allemands sur le côté qui nous ont entendu parler. Ils sont rentrés dans le champ, sont mis face à la tranchée, et il y en a un qui avait la mitraillette, il s'est mis à côté, un autre qui avait baïonnette au canon, le troisième avait revolver au poing. Et c'est mon père qui se présente à l'entrée de la tranchée, et il lui dit « Monsieur, est-ce que vous avez des parachutistes parmi vous ?» qui était un peu descendu un peu partout. Alors mon père lui répond « Eh bien non, ici ce ne sont que des femmes et des enfants, il y a 19 personnes, parce qu'il y a des gens du tour qui venaient aussi dans la tranchée. » Alors l'Allemand dit que tout le monde sorte. Nous sommes tous sortis devant la mitrailleuse, hein, et l'Allemand est parti avec son revolver et sa lampe électrique voir dans la tranchée comment c'était, parce qu'il était 6 heures le matin, c'était le petit jour. Et il ressort et il dit à mon père, comme il n'y avait personne dans la tranchée, bien sûr, il n'y avait pas de parachutiste. Alors, il dit à mon père, « Monsieur, excusez-moi de vous avoir dérangé et reprenez vos places. » Et à ce moment-là, mon père lui dit, « Mais monsieur, mais qu'est-ce qu'il y a, tout ce bombardement-là qu'on entend depuis ce matin ?» Alors, ben, il lui dit, « C'est le débarquement. » Il dit, « Le débarquement où ?» Il dit « Vierville-Saint-Laurent », c'est-à-dire au mât. Alors, mon père lui dit « Mais il n'y a pas d'eau, c'est une plage ». Eh bien, il lui dit « Peut-être, mais c'est le débarquement ». Mon grand-père, on est descendu dans la cour, parce que ça avait bombardé toute la nuit. Et paradoxalement, vers 5 heures du matin, plus un bruit. Un silence absolu. Ça fait drôle, hein, quand ça bombarde, ça s'arrête. Un silence absolu. On est descendu avec mon grand-père. On n'avait pas dormi de la nuit, évidemment. On est descendu dans la cour. Oh, les Allemands étaient tous carapatés. Eux. Il n'y avait plus un Allemand. Ils étaient tous partis. Vide complet. Et bon, mon grand-père a dit, on va se recoucher. C'était calme, on dort pour se coucher. Oh, ça n'a pas duré longtemps. Après, c'était les cadeaux de marine. Et mon grand-père, il avait fait 14, il connaissait. Il dit, ça, c'est plus les bombes, c'est des tirs au canon. Oh, ouais. Alors c'est là qu'on est monté à la fin, j'ai mis ma mise sur la fenêtre, on a regardé, il était peut-être 5 heures ou 6 heures du matin, on voyait rien, hein. La mer c'était gris, sombre, c'était, le jour était pas, ça se levait pas quoi. Et il me met sur le rebord de la fenêtre, il me tenait comme ça, je vois, il y avait un croiseur, un torpilleur qui était là, roh, du bord, là. Commençait à tirer sur nous. J'ai vu les flammes partir, mais ça a passé, je sais pas où, mais ça a pas passé sur nous. Ben, j'ai dit, ça y est, il y a un bateau, là. Hein. Alors, de temps en temps, on re-scrutait, mon grand-père était grimpé sur une chaise, sur un espèce d'escabeau qui était là, on regardait, on voyait rien, hein. On voyait rien. Et puis, d'un seul coup, ça s'est éclairci. Alors, là, j'ai vu les bateaux partout.
des milliers de bateaux qui arrivaient sur moi comme ça. Des bateaux. Je les vois encore. C'est ancré là, hein. Sur la fenêtre, je vois. C'était extraordinaire, hein. Extraordinaire. Alors là, à ce coup-là, là, c'est le débarquement. Là, il n'y avait plus le... Alors on est descendu, vite fait, creusé notre abri, parce qu'on n'avait même pas d'abri. On a fait un abri dans un fossé derrière, sommairement. La grand-mère, qui était une dame extraordinaire, elle dit, ça risque de durer longtemps. Elle a allumé la cuisinière, et comme on avait encore deux vaches, du lait, elle nous a fait des bouillies à la farine de blé, vous savez, des genres de crème. Alors elle avait fait 7-8 dizaines de plats qu'elle avait fait, comme ça. Puis elle a mis ça à la ferme, on avait des planches à pain, qu'on appelle ça, où c'est qu'on collait le pain, là. Elle a mis ça là-haut, on dit comme ça, on aura une réserve pour si ça dure, parce que je croyais que ça durait. Ah oui, ben non. Quand ils se sont mis à tirer, après, il y a eu le fameux tir de barrage. Qu'ils ont tiré un tir de barrage au bout du champ derrière notre ferme. Là, tout a été détruit. Ils ont foutu le chemin. Il y avait un chemin. Il y avait un petit chemin qui était couvert de branches comme ça. Vous savez, ça faisait une voûte. Et alors, est-ce qu'ils ont cru que les Allemands étaient là-dedans? Ils ont arrasé ce chemin. Il y avait les voisins. On avait un petit fermier nommé Élie. Qui habitait là, il avait ses 16 vaches qui attendaient pour être traites le matin. On a tout été tués. Hein. 16 vaches tuées, notre cheval, on avait un cheval de carriole à pur sang, là, un cheval de course, hein, était tué aussi, un Allemand qui était tué à côté, une vache, un carnage. Quoi. Oui, alors, alors, dès l'instant qu'on a eu ce tir de barrage, il est passé deux ou trois obus à travers le toit de la ferme. Les portes, les fenêtres nous ont tombé sur la goule, sur la figure. Les fameuses bouillies, les plats de bouillies, c'est vrai, autant de gravats dedans. Le soir, quand on a épluché ça, il fallait écumer. Puis faire attention aux bouts de verre qu'il y avait dedans, parce qu'il y avait plein de bouts de verre, des garous. Oh, ben, c'était pas rien, bon. Et puis voilà. Et ça, c'est le 6 juin. C'était le 6 juin, ça. On a attendu, et puis mon père a dit à maman, écoute, je vais repartir dans la maison pour aller chercher à boire, à manger un petit peu, voir si, et je vais vous ramener tout ça. Bon, je t'accompagne, dit ma mère. Et alors, ma mère suit mon père en petite foulée, et ma mère monte à l'étage, et va dans sa propre chambre où elle commence à mettre de l'ordre dans la chambre parce qu'il y avait déjà un peu de carnage dans la chambre parce qu'il y avait déjà eu un obus qui était rentré par une des fenêtres de la chambre et qui en explosant avait fait des dégâts. Et donc mon père lui va au grenier, cherche ses deux valises et incidemment, instinctivement, il regarde par la fenêtre parce que de la fenêtre, on voyait très bien la plage et très bien la mer. Et à ce moment-là, il est stupéfait par ce qu'il voit, et il m'a dit, c'est féerique, c'est magnifique en même temps, c'est catastrophique, parce qu'on voit que c'est important, ce n'était pas de la rigolade. Tous les bateaux tiraient, tous en même temps, donc ça faisait... des gerbes de feu qui sortaient de la bouche des canons, qui étaient en pleine mer. Hein. Et mon père m'a dit, je suis resté béat parce que je voyais. Et je n'osais plus faire un pas, ni en arrière, ni en devant. J'étais fasciné par ce que je voyais. Et au bout de quelques minutes, mon père a repris sens. Il a dit, il faut que je reparte, parce que sinon, s'il vient un obus de la... dans la maison, je vais me faire tuer. On avait les lèvres toutes violettes, là. Je me souviens encore. Parce que le soufre, l'obus, quand il éclate, il dégage un souffle puissant. Mais quand il n'y en a qu'un, ça va. Mais quand il y en a des dizaines et des dizaines qui pètent
auprès de vous, vous ne voyez plus votre visage. Et on avait, derrière, vous voyez, chez Jean-Pierre Rollard commençait. Alors, on traversait ça, ce petit champ-là, et au bout, il y a un ruisseau. Et ce ruisseau-là, l'été, il est sèche, il n'y a pas d'eau. Alors, on a fait, je fais l'abri dessus. J'ai mis du bois qui traversait tout le truc comme ça. Après, on a mis des... Pour ça, il y a quelqu'un qui m'a aidé. On a mis des tôles, et sur les tôles, on a mis des fagots. Alors, ça faisait un bon abri. Alors, on était tous là-dedans, au débarquement. Alors, il y avait toutes les maisons du tour. À la fin, on était près de 30. Ah, oui. Mais on avait des petits-enfants qui avaient 4-5 ans et qui buvaient au biberon. Et on n'avait plus de lait. Maman, elle était dans le champ, à côté, avec Gaston, le monsieur qui nous tenait compagnie. Et ils ont été chercher les vaches. Ils les ont amenées dans la cour, à Jean-Pierre, là. Elle a tiré du lait à ses vaches pour qu'on en ait pour les enfants. Et moi, j'ai allumé du feu dans le fossé. Avec un trépied, je fais du feu et je fais bouillir le lait. Et les gens, tous les gens qui étaient dans l'abri, disaient « Mais non, fais pas de feu, ça fait de la fumée, les avions vont la voir. » Je me faisais disputer. Et c'était une grand-mère de 70 ans qui était au bout. Et le premier Américain qu'on a vu, c'était le 6 au matin à 8 heures. Il est venu à l'entrée, il a passé sur l'abri. On a entendu ça craquer, il a passé sur l'abri. Et puis il est venu avec son fusil, il nous a mis en joue. Alors la petite grand-mère fait « Non, 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 français, français, elle avait pris son mouchoir. » Je la vois encore, elle était au bout du truc et moi j'étais à côté. Ah ben, c'est le premier Américain qu'on a vu dans la matinée du 6 juin. Très bonne heure, je crois que... Mon père disait que c'était 8 heures, il était seul. Il est venu, il a frappé à la maison pour rentrer, il a dû rentrer. Aussitôt, il a vu l'habit de mon père qui était sur la rampe d'escalier, l'habit de facteur avec le képi. Il a dit, vous, gradé allemand avec votre famille. Mon père y a fait comprendre que non, mais tout ça. Il a demandé s'il y avait des Allemands là-haut, il a dit que non. Mon père regardait des fois à la fenêtre, il en avait vu un passer derrière la haie. Il lui a dit, il y en a un qui a passé derrière la haie tout de suite. Il est sorti de la maison, il avait le fusil, il avait pris le fusil à la main. Ben, il y en est au bout, il y avait une petite haie là, il s'est présenté au-dessus de la haie là. Quelquefois qu'il y en aurait un qui serait venu se cacher pour l'attendre à la sortie. Rien. Il a descendu la route. Et puis il a pris la petite brèche pour regarder s'il voyait l'Allemand. Et puis au bout d'un petit moment, il est ressorti avec l'Allemand. L'Allemand avait les mains sur la tête et lui avait son fusil, puis le fusil de l'Allemand. Et puis il nous a fait un signe, merci. Et il a sorti un billet qu'il a balancé dans la route pour nous remercier, je pense. Mais le 7, depuis le matin, on sentait qu'il y avait de l'impatience chez les Américains. Et à chaque fois qu'un char passait devant la maison, ça stoppait. Il arrivait des grands gaillards qui nous faisaient mettre les bras à l'air et nous sortir de la cave. Alors on sortait tous, très surpris, on descendait. Et sitôt, ils passaient, ils ne voyaient rien, on redescendait. Alors ça passait, je ne sais pas le temps, un autre char arrivait et hop, rebelote. Tout le monde, ah oui, et puis hop, les bras en l'air et tout le monde ont monté, les bras en l'air. Bon, alors ça continuait comme ça et puis il est arrivé un Américain qui nous a dit, on prend les hommes. Monsieur Colibœuf, ses deux fils, hop, parti. Et puis nous, on restait avec notre mère, toutes les deux. On redescend la cave, et puis il arrive encore un autre char qui stoppe, et hop, on entend tout l'Américain qui arrive, un Américain, et hop, il tire, carrément. Donc, vous étiez... Et c'était un revolver, c'était un officier. Oh, ma mère, furibonde, elle monte, elle secoue, puis elle lui dit, mais êtes-vous là pour nous délivrer ou pour nous tuer? Vous avez déjà pris les hommes? Et puis maintenant, vous voyez que je suis toute seule avec mes deux filles.
On n'a rien. Alors il lui dit, madame, chaque fois que passent des soldats américains devant votre maison, il y en a un tué. Et elle a dit, on n'a pas d'arbres. Toutes les armes ont été rendues en 40, on n'a pas d'armes. Alors elle a dit, mais il y avait le ruisseau qui était en contrebas, si vous voulez, de la maison. Et on avait une barrière. Et c'est là qu'ils voyaient les Américains passer et hop, ils tiraient. Alors une fois qu'on leur a dit au ruisseau, alors là, bon, il a dit restez là et puis descendez à la cave, qu'il nous a dit. Bon, alors on est redescendu à la cave et puis il est revenu un bon moment après. Puis il nous a dit, madame Colliboeuf, vous pouvez remonter dans votre petite maison du côté américain, il ne vous sera rien fait. Et votre mari et vos deux fils reviennent de Colville. Alors vous allez tous réunis. Oh ben, on a dit, c'était la fête, on est monté dans la maison, heureuse, on a dit, ça y est, notre débarquement est fait. Voilà comment que s'est passé le 7 juin. Les frères nous donnent les premiers chewing-gums qu'il avait trouvés à la mer. Et ils nous disent, c'est plein d'Américains, ils sont tous morts sur la grève. Chaque fois qu'on se met à plat ventre, on se met à plat ventre près d'un cadavre. Et puis, on attend. Et là, les premiers coups de canon arrivent. Hop, redescendons à la cave. Alors, on était tous à la cave. Et alors, ça a tombé sur la maison, ça a tombé sur le camion de munitions qui a stoppé dans la bagarre, qui n'a pas pu aller plus loin. Et mon père disait, comment qu'on va le canon donner toujours? Alors, il a compté. Et puis, il a dit, quand on va sortir, on sort tous ensemble. Hein. Alors, c'est ce qui s'est passé. On a sorti tous ensemble. On n'était pas arrivé au milieu du jardin que ça y était. La maison explosée, et puis le camion de munitions et tout. Tu penses à ce qui s'est passé. Et tu te dis en toi-même, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Pour améliorer, je voudrais manger, je voudrais boire. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai rien. Donc on ne dit rien. Et ma mère, elle enchaînait. Eh bien écoute, notre père, je vous salue Marie. Et puis ainsi de suite. Et les dizaines de chapelets ont défilé les uns après les autres, et ça a été des dizaines et des dizaines de chapelets que j'ai pu dire et que j'ai encore en mémoire. Mais le temps a passé, les heures ont passé. Et puis, tout à coup, on a ramassé une grenade qui nous est arrivée devant la brique où nous étions, qui a explosé. La terre, les déflagrations de la terre, des branchages. Et puis, on n'y voyait plus à 3 mètres. Et mon père de dire, tout le monde dehors, sortez. Alors, je suis sorti le premier. Je m'en vais un peu plus loin d'où nous étions, à l'abri d'un mur. Et c'est là que j'ai vu deux Américains, dont l'un m'a foutu une mitraillette sous le nez, mais quand il a vu que le gamin que j'étais, il n'a pas insisté, mais par contre, il m'a attrapé par l'épaule, il m'a foutu comme une crêpe par terre. Dans la matinée, les Américains sont venus nous chercher pour dire qu'il fallait repartir parce qu'ils allaient revenir bombarder. Comme ils n'arrivaient pas à avancer, ils voulaient nous protéger, en somme. Oui. Alors, on est passé sous la plage, oui. Il y avait encore des rafales de mitrailleuses. Les Américains, je me rappelle, prenaient par le callback. Et quand il y avait une rafale de mitrailleuses, ils nous collaient le long des murs, des restants de murs. Puis après, quand c'était fini, on continuait notre chemin. On est à un coin, mais on ne voit pas ce qui se passe à l'autre. À côté. Hein, qui est à même pas 500 mètres. Et c'est vrai. On ne savait même pas qu'il y avait eu des gens tués. J'ai une camarade là, qui a 94 ans, et elle m'a dit, 4 fois, eux, ils ont été délivrés, repris.
Ils se demandent aussi là comment ils ont réussi à échapper. On n'y pensait pas, on était sous le... comme tous les gens quand ils sont sur le vif. Hein. Là, c'est... on suivait, puis voilà, on a eu de la veine. Ça. Certainement qu'après, on s'est dit, mais jeunes comme on est, on ne dit pas on a eu de la veine. On a dit c'est comme ça. Et je me souviens, j'étais dans la cave avec ma mère, et je lui ai dit, mais la guerre, est-ce que ça dure longtemps? Il y a eu 4 morts, 4 civils de tués à Virville. Et à Saint-Laurent, il n'y a eu qu'une seule femme de tués. Trévière a été dévastée par les obus de marine. Et il y avait des blessés et des morts, près de 15, je crois. Et il y avait 4 blessés très, très, très atteints, avec des hémorragies. Et le docteur Lehoux rencontre mon père qui était venu prêter main forte. Et lui dit, dites donc, Pierre, est-ce que vous voulez venir avec moi? Ben, on va transporter ces... Mon père accompagne le docteur Lehoux et ils prennent la voiture du docteur Lehoux qui marchait au gazogène, prennent la route de Trévière, Mandeville, Maule, à Maule, la Nationale 13, Tour-en-Bessin, Haute-Vaucelle. Un Allemand les arrête. Tommy Bayeux. C'est Tommy Bayeux. Mon père dit Tommy Bayeux, vous avez vu ce qu'il y a derrière. Et mon père et le docteur Lehoux arrivent dans Bayeux. Les chars anglais étaient là. Et c'était la liesse et tout ça. Ils ont déposé leurs blessés qui sont morts donc, peu après. Ils sont revenus. Ils n'ont jamais eu un coup de fusil, jamais rien. Pas d'avion, rien. Ils sont revenus à Trévière. Nous étions dans notre tranchée depuis 48 heures. Et mon père m'a dit, j'ai vu les Anglais. Quelques jours plus tard, qu'on a su qu'un Allemand était remonté dans les ruines du clocher et s'était emmuré derrière et commandait les batteries de 2 jumeaux. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette grande bagarre. Parce qu'il dirigeait, il voyait ce qui se passait, où étaient les Américains. Et c'est comme ça que les bagarres... La fameuse contre-attaque par les batteries de 2 jumeaux. Voilà. Que tout le monde croyait qu'il fallait peut-être... Voilà. On croyait, et les Américains même croyaient que les Allemands étaient revenus, donc les Français devaient être contre eux. C'est pour ça qu'il y a eu un moment de flottement. Et l'Allemand, il est resté quelques jours, parce qu'on avait une petite jeune femme avec un bébé qui avait été tué à la boulangerie. C'était la nièce du boulanger, et il avait reçu un éclat. Elle avait le bébé sur le bras, il fallait bien l'enterrer après quelques jours. Alors c'est M. Hélène qui faisait les trous dans le cimetière, et à chaque fois, il repartait parce qu'il disait, mais il y a quelqu'un qui me tire dessus, pas pour me tuer, mais pour me faire peur, à droite, à gauche. Alors, hop, il avait la trouille, il partait. Et puis il y avait le maire qui était venu pour enterrer. Et il était toujours là, il était autour, et l'enterrement était... Il a resté tranquille, il n'a pas tiré du tout le temps de l'enterrement. Et sitôt que ça a été parti, il s'est remis à tirer. Alors là, ils se sont dit, c'est anormal. Et je ne sais pas, il a donné ses directives, et total, c'est là qu'ils ont été le chercher dans le clocher. Et ça, il s'est passé plusieurs jours. Ah, il s'est passé au moins 5 jours, au moins 4-5 jours. Je après, le pas, après le débarquement. Ouais, ouais. Oui, ben, on avait une compagnie avec le général, comment je vous ai dit, je ne sais plus, Bradley, qui était chez nous. Alors, ils avaient fait leur cuisine dans un hangar, un bureau dans l'autre. Et tous les midis, les soldats, ils venaient manger à la cuisine, là. Mais en même temps, ils nous donnaient à manger. On n'avait pas de cuisine à faire. On mangeait même bien trop. Et puis, les soldats, ils mangeaient tous dans la cour. Il y avait un petit mur, alors c'était leur table. Ils mangeaient sur le mur, comme ça. Et après, nous, on faisait le tour, on trouvait du sucre, du chocolat, de tout. Ma sœur et moi, on faisait le lavage du linge des soldats. Et ils nous donnaient des sous. Alors, comme nous, on ne travaillait pas, on n'avait pas d'argent, ça nous rendait service. Hein.
Alors, on lavait le linge, on le faisait sécher, on leur redonnait tout prêt à mettre. Quoi. Ils étaient contents. Hein. On en avait beaucoup. Hein. On passait des après-midi entières. Et qu'est-ce qu'on a récupéré comme affaire ? Incroyable, il laissait tout sur le terrain. En face Chardelet, il y a eu deux bateaux, deux cargos qui sont entrés en collision, qui étaient comme ça. Un qui était peint en noir et l'autre en blanc. Il y avait un noir et un blanc. Encastrés les uns dans les autres. Juste en face Chardelet, là, le maire. Là. Et notre oncle, alors lui, il nous envoyait là-dedans, à fond de cale. On descendait dans les cales. On a remonté là-dedans tout l'outillage. Les perceuses, vous savez, à l'époque, les perceuses avec des volants, là. Vous savez, dans, des perceuses comme ça, des perceuses à main, des burins, des marteaux, des étaux, des... Mais un matériel qu'on a remonté à coups de carriole. Les Américains, du jour au lendemain, ils sont partis du champ d'aviation, ils ont tout laissé en plan. Alors, ça a été... Toute la nuit, ça a été... Toute la nuit, vous voyez les gens avec les lampes électriques, ça naviguait de partout. Une nuée de fourmis. Tout le monde charriait l'essence. Hein. Tout le monde s'était jeté là-dessus. Hein. Et les Américains sont revenus deux ou trois jours après pour chercher. Il n'y avait plus rien à prendre. Ah ben, les péniches, on allait dedans, on coupait les tuyaux. Hein. On ne s'embêtait pas à les dévisser, on coupait. Et puis on mettait un jerrycan et un entonnoir en dessous. Quand il était plein, on en mettait un autre, et puis vice-versa, quoi. Charriait ça. Il y avait un mur de galets, hein, là. Comme le mur de dune, fallait, c'était des galets, il fallait grimper. Alors on mettait la carriole derrière, dans le chemin, plus ou moins piéton, que je promène mon chien maintenant. On mettait la carriole là, et les jerrycans, il fallait les passer, le mur de galets, puis aller les ranger dans la carriole. Le 9 juin, nous sommes allés à pied de Trévières à Bayeux. Et nous avons trouvé les Américains à Brandeville et nous avons couché à Russie le 9 au soir. Et le 10 au matin, nous sommes repartis à pied et nous sommes allés à Bayeux. Mon père avait appris que la maison de Trévières, il n'y avait plus de fenêtres et plus de portes. Il a dit, ce n'est pas question que tu reviennes tout de suite, tu vas rester à Bayeux chez mes cousins. Que fait-on quand on n'a rien à faire? Mais j'allais descendre dans le bas de Bayeux, au Maréchal Foch, après la place, après la rue Saint-Laurent, pour voir les renforts anglais qui se dirigeaient vers la gare et vers Monceau et Tilly-sur-Seine. Le 14 juin, à 15h, une jeep arrive à l'endroit où j'étais avec mon cousin, avec deux généraux et un amiral et un civil. Et à l'endroit où je suis, où j'étais. Et le général me dit, mon petit, j'avais 15 ans, mon petit, reste là, le général de Gaulle arrive dans une demi-heure. Comme il m'a dit, au bout d'une demi-heure, de Gaulle est arrivé dans une jeep conduite par un Écossais qui avait le petit chapeau écossais avec le petit ruban. Et il est arrivé là, c'est son premier bain de foule et je serrai la main du général de Gaulle ce jour-là. Et j'ai suivi le général de Gaulle dans toute la rue Saint-Martin, la rue Saint-Malo, la rue Général de Day. Là, on a rencontré Maurice Schumann, qui s'est arrêté pour parler au général. On a traversé la place du château, puisque ça s'appelait la place du château, et on est arrivé devant la sous-préfecture. Et le sous-préfet de Vichy, après avoir enlevé le portrait du maréchal Pétain, et lui a offert le champagne qu'il a refusé. Moi, je suis parti, j'ai quitté le général. Mais il a été pris en main et il a fait son premier discours sur la place. Et honneur et patrie, voici le général de Gaulle, a dit Maurice Schumann. Je me rappellerai toujours de ça. Tous les après-midi, on allait sur la falaise, là, au-dessus de Saint-Laurent, là. La campagne de Vierville, là. Oui. La côte. On avait les jambes pendantes à la falaise. Ma mère tricotait, passait l'après-midi là, on revenait dans la soirée. On regardait débarquer, c'était passionnant, hein, oui. Les bateaux qui arrivaient, c'était des,
On appelle ça les canards, c'est les machines amphibies, là. Les ducks. Oui. Qui déchargeaient avec des grands filets, c'était des, soit des munitions, des rations. Vous regardiez ce qui se passait. Des journées, des heures entières. Ah oui, des journées entières. Des après-midi. Des après-midi. Après manger, on allait. Ouais. Ouais. Ce qui nous manquait, c'était des caméras. Il y avait Corfanda.